Émission spéciale sur le 22e tour Savoie-Mont-Blanc avec Thibaut. Thibaut, la ville d'Aix-les-Bains a joué vraiment le jeu sur la dernière partie de cette grande course très attendue. Les Aixois et nos vacanciers surtout ont joué le jeu parce qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui maintenant, pour notre journée vélo en ville, pour cette dernière journée du Tour Savoie-Mont-Blanc. On va remettre, et ça nous donne envie de l'année prochaine, remettre le couvert avec le Tour Savoie-Mont-Blanc et pourquoi pas avec une classique de niveau international exclusivement sur le territoire de Grand Lac et d'Aix-les-Bains. Alors nous, on va remettre le couvert tout de suite avec le résumé de cette belle journée et bien sûr la grande victoire de Pierre Rolland qui arrive premier au classement et deuxième au chrono. C'est maintenant, on a récupéré ses réactions au sommet du Grand Revard. Je suis content d'avoir gagné ma course de reprise et je suis content d'être venu ici autour de Savoie-Mont-Blanc. Et voilà, je crois que je termine deuxième de l'étape. C'est un effort d'une heure, enfin 55 minutes. Pour une reprise, c'est pas facile, mais bon. Les watts étaient bons et voilà, ça donne le moral pour la suite, pour la reprise, pour le Dauphiné et pour la suite. Ouais, c'est bon pour le moral. Toutes les victoires sont bonnes, toutes les courses sont bonnes à prendre avec la situation dans laquelle on évolue et on a évolué. Et moi, je suis content de tout le travail qui a été effectué en amont et aussi sur cette course par mon équipe. Et voilà, maintenant j'ai hâte d'être au départ du Dauphiné. Alors après le témoignage de la victoire de Pierre Rolland, Laurent, j'imagine qu'en tant qu'animateur, tu as vibré aussi au rythme de cette édition 2020. Non seulement on a vibré, mais on a essayé de transmettre aussi la passion, partager les émotions. Et avec cette belle victoire de Pierre Rolland, avec une étape encore complètement dingue, avec un temps canon de Gavin Mannion aujourd'hui, vraiment une belle réussite. On va retrouver aussi la réussite au niveau du public, parce qu'ils étaient au bord de la route et on les a rencontrés. Bien encouragé principalement Pierre Gouault, mais après voilà tous les coureurs qu'on connaît un peu de près ou de loin, on suit un peu le vélo. Donc voilà, les coureurs de Bourg-en-Bresse et puis Pierre en particulier. Ouais bah après nous on n'a suivi que la dernière étape, on suit que le contre-la-montre, mais bon après ils ont fait une belle course, on a suivi un peu via Savoie News, Direct Vélo et autres, mais voilà de loin, mais on a suivi quoi. Bah oui, on a profité que ce soit une course qui parte près de là où on habitait pour venir les voir un peu, bah plus le week-end que dans la semaine. Mais voilà, ça fait plaisir de les voir courir sur leur terre. Tout à fait, voilà, oui. Puis on mesure bien la difficulté hein, des coureurs, voilà, par la chaleur. Donc c'est bien. Parce qu'on n'a pas à se déplacer, c'est juste devant la maison, donc c'est intéressant. Nous poursuivons cette émission spéciale du Tour Savoie-Mont-Blanc avec Patrice Pion, qui est l'un des directeurs sportifs qui a bien sûr contribué à la réussite du tracé. Oui, c'était pas gagné, et puis ça a été compliqué, les partenaires, c'est pas si simple que ça, on n'a pas pu faire comme on voulait, donc réellement c'était une épreuve qui est réussie, mais ça a été fait au forceps, et voilà. Mais bon, le résultat est là. Je pense que le final avec Aix-les-Bains, les élus d'Aix-les-Bains sont contents, les gens du territoire aussi. Donc du coup, ouais, c'est je pense que c'est réussi. Cette 22e édition du Tour Savoie-Mont-Blanc a une couleur particulière et très aixoise. Renaud Verretti souhaitait aider Pierre-Maurice Courtade, le nouvel organisateur. On les a rencontrés tous les deux sur un hamac dans ce théâtre de verdure. Oui, ici au cœur d'Aix-les-Bains, dans un lieu emblématique qui est le parc de verdure, et plus particulièrement derrière nous, le théâtre de verdure, qui, comme vous le voyez, est destiné à des concerts, à de la danse, à des animations, à des événements. Mais l'événement du mois d'août, ce sera le départ de l'étape du Tour Savoie-Mont-Blanc. Pour nous, c'est évidemment un honneur et un plaisir d'accueillir à nouveau la petite reine dans notre ville, une course de prestige au départ d'un lieu patrimonial, années 30, hein, l'architecture thermale d'Aix-les-Bains, pour gravir les pentes du Mont Revard pour finir l'étape en traversant un des balcons d'Aix, la commune de Mouxy, là même où le Tour de France a pu passer par le passé, notamment je crois en 1962. Donc voilà, mélange du patrimoine, de notre nature magnifique et du sport.
Avec cette compétition, je vous laisserai ensuite la parole en tant qu'organisateur, une compétition qui est pour beaucoup de cyclistes l'antichambre du Tour de France, puisque c'est dans ces épreuves que se dégagent de futurs compétiteurs de haut niveau. Oui, c'est 5 étapes avec le final Aix-les-Bains-Revard qui va être un final d'anthologie. 18 équipes de 6 coureurs, et comme disait monsieur le maire, les futurs grands champions du cyclisme mondial. Il y a un an ou deux, je crois que c'est Egan Bernal qui gagnait le final de cette course et qui gagne le Tour de France l'année dernière. Donc voilà, c'est une grande épreuve qui s'annonce. C'était pas simple de la reporter comme on l'a fait au mois d'août, et on remercie vraiment monsieur le maire d'avoir été à nos côtés pour le faire, car sinon on aurait, sans la mairie d'Aix-les-Bains, on n'aurait jamais pu relancer comme on l'a fait cette année, et Marion Rousse et moi tenions vraiment à le remercier. Très belle. On va féliciter l'organisation d'abord, parce que après ce qu'on a vécu, le Covid qui est toujours en route, faut pas penser qu'il est parti. On a la chance de pouvoir prendre le départ, donc on peut dire merci à l'organisation et à tout ce qu'ils ont mis en œuvre, et on peut même les féliciter parce que tout est bien fait, tout le monde porte le masque, on peut se désinfecter les mains, tout ça, donc tout est bien fait, on peut leur dire merci à eux d'abord. Après, on va remercier pour les parcours, il y a de très beaux parcours. Et puis on va dire merci au soleil d'avoir été avec nous toute la semaine. Ce qui était intéressant, c'est la variété entre les parcours pour les purs grimpeurs et les parcours pour les grimpeurs rouleurs, un peu comme je suis. C'est une variété assez intéressante. Après, je pense que pour... je ne sais pas si c'est le moment ou l'endroit pour donner mon avis, mais mettre un gros col ou deux typique de la Savoie sur les prochaines éditions, je pense que ça rendrait encore plus spectaculaire et encore plus jolie l'épreuve. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette dernière étape du Tour Savoie-Mont-Blanc, 22e du nom. Et maintenant, comme dans toute grande manifestation, place au buffet, aux produits du terroir. À très bientôt sur Savoie News.